Capsule numéro 9, d'éveil des papillons. On va parler d'accueillir les cadeaux de la vie. On se retrouve tout de suite. Je suis Nathalie Delin, capsule 9, d'éveil des papillons. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'accueillir les cadeaux de la vie. On a il y a quelques vidéos dans la capsule numéro 7. Je vous ai parlé de gratitude et donc c'est juste être plein de gratitude par rapport à ce qu'on a dans notre vie. Donc je voulais creuser un peu plus loin en allant jusqu'à accueillir les cadeaux de la vie. Alors, je vous fais cette vidéo de Majorque où justement, voilà la vue de notre chambre. Et donc, c'était vraiment ça que je voulais vous parler des cadeaux de la vie, parce que les cadeaux de la vie, c'est des cadeaux que vous pouvez recevoir. Quelqu'un vous apporte quelque chose, vous donne quelque chose. Oh ben non, j'avais pas besoin, il fallait pas faire ça. Et l'univers, vous envoyez comme message à l'univers, ben non, j'ai pas besoin de ça. Et alors, ben voilà, l'univers il vous fait plus de cadeaux. Non, mais l'univers il est très généreux, il continue à vous faire des cadeaux. Mais il fera des cadeaux dans le sens que vous voulez. Donc, prenez soin d'accueillir ce qu'on vous offre, les cadeaux de la vie, ce qui viennent des autres, mais ce qui viennent de vous, voilà, de l'univers. Soyez attentifs aux cadeaux qu'on vous offre, que ce soit un ciel bleu, une mer, une vue magnifique, tout simplement, mais ça peut être aussi justement un séjour dans un hôtel splendide, à un endroit merveilleux. On vous demande simplement d'accompagner, mais c'est déjà un cadeau en soi. Et tout ce qu'on peut vous offrir est déjà cadeau. Donc, être juste attentif à recevoir les cadeaux de la vie, les cadeaux, faire santé à l'univers et merci de tout ce qu'on peut recevoir et de tous les cadeaux que l'on peut recevoir. Ça fait une suite à la gratitude, mais vraiment, j'avais envie, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes, même pas conscientes, de ne pas accepter les cadeaux de la vie. Et donc, il faut vraiment, vraiment prendre conscience de ce que nous offre la vie, de ce que nous offre l'univers, de ce que les autres, nos anges gardiens, les personnes qui sont autour de nous, nous offrent. Et c'est important de vraiment accueillir les cadeaux de la vie et pouvoir les recevoir pleinement et simplement avoir la gratitude de ces cadeaux qu'on reçoit et dire un grand merci, tout simplement, pas ajouter, oui, il fallait pas. Ça, c'est le petit signe que justement on n'accepte pas ces cadeaux. Et donc, c'est simplement dire merci, merci à l'univers, merci à la personne qui vous offre ces cadeaux, qui vous permet de faire ça, de vivre ça. Donc, ben voilà, ce que je voulais profiter de ce voyage merveilleux qu'on me permet de faire, justement, pour vous partager ça. Et si vous voulez suivre mes autres capsules, n'hésitez pas à cliquer au-dessus, à gauche, à droite, en bas, pour vous abonner à ma page, vous abonner à ma chaîne et suivre les autres capsules. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les capsules suivantes.